tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo d'hiver, on va dire. Parce qu'on va commencer à préparer les box pour les chevaux et les ânes, enfin les juments et les ânes. Donc en bas. Et après on fabriquera un box à l'écurie des vaches pour les poneys, parce que bah, leur cabane n'est pas encore finie, donc voilà, on va faire ça là. Et ben voilà, du coup pendant qu'on descend, on va vous passer les images du maréchal. C'était quand? Le maréchal est passé le mardi 12 octobre, il a déféré tout le monde, il a fait les 4 gros, donc sauf bah, les mini poneys, il n'y avait pas besoin. Et bah, du coup voilà, on vous laisse, on vous retrouve en bas. Il passait plus qu'à une poubelle par jour. Ici. Ah bah oui, ça c'est... Ils sont restés couchés combien de temps? Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'après c'est des... Je pense qu'en voyant le vent, vous vous rendez compte du temps qu'il fait et vous comprenez pourquoi on prépare les box. Mais encore là, ça va, il pleut pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a que du vent là, mais... Est-ce qu'on va réussir à laisser les portes ouvertes? Bah ouais, faut les bloquer, je rentre. Après ouais, faut qu'on les bloque, mais... Ah là, il y a un caillou. Il y a l'autre côté aussi. Alors, je vais... Je laisserai un seau ici pour descendre les granulés du vent. Faut qu'on enlève le ciment. Ça fait combien de kilos? 1, 2, 3. Ah bah, pour 3 kilos. La caisse là, elle est plus à droite, non? Ah bah la caisse là, oui, elle était là. Au niveau, ah oui, donc on va la remettre. Ouais. Attendez, ne bougez pas. Vous allez voler. Oh là là. C'est bon? Ouais. C'est bon, calme, non? Ouais, non, non, elle est calée. Ah ça va, c'est pas trop lourd. Ça, ça va là-haut, j'ai dit. Ça, je mets ça où? Ouais, bah ça, par là-bas. Ah bon, d'accord. Tu la mets là? Non, elle était au-dessus. Et pour Lily, il y a celui qui est dur. Donc mission rechercher les trappes, c'est ça? Ça. Bonne chance. C'est extrêmement bizarre de faire ça. La dernière, elle est bah, en dessous de l'appareil. Non, il y a celle de ici aussi. Voilà, on va pas le même point de vue, du coup. Mais c'est bien bon quand même. Là. Voilà, là. Jamais où elles sont tellement serrées que là non, il y en a pas. Ah, a... Fais gaffe, ouais. La même, c'est sûr. Il devrait avoir une là, non? Là. Ah, je crois que c'est bon. Hop. Normalement, ça devrait tomber ici. Il y a tout. Non, oui, ça a l'air plus. Oui, la trappe là, t'as vu, elle est un petit peu ouverte. Ouais, c'est parce que... Attends. Ouais. Attends. Attends, j'enlève à l'angle là. Vas-y, réessaye. Ouais, c'est mieux. Thank you.
ça va pas tenir. Bah, on verra si elle est mortigotée par la fenêtre. Pourquoi elle enlève la ficelle? Bah, si elle dégomme la mangeoire, elle tombe et puis après la ficelle, elle tombe aussi. Elle mange la ficelle? Ouais, puis elle se ligote. Nous avons un petit message là. Lambo Lamborghini. C'est qui a écrit ça? Regardez qui a fait pipi. Mais non! Qui a fait pipi dans la paille de ma Lily? C'est toi la rouche. Et on lui offre un bon toilette. Ah bah oui, là, ça devait être très agréable. Hein. Mon bon câlin la rouche. Il y aura des copains ce soir. Oui. Oui. Update. Nous avons fini le bas. Bah, y a l'eau. Donc ça, c'est pas les bassines définitives parce que Lily, elle aura sa rouge, les ânes la noire et Ify, elle aura la bleue foncée. Voilà. Mais après, c'est une bassine. Elles sont propres, il y a de l'eau dedans, il y a du foin, il y a de la paille, il y a les mangeoires pour les juments. Je sais pas si je donnerai des granulés ce soir, on verra. Si elle réclame, j'en donnerai parce que sinon, elle en fera la vie. Et bah, pareil, les ânes, ils n'ont pas de porte pierre de sel ni de pierre de sel. Mais pour une nuit, elles ne vont pas mourir. Lily, c'est pareil, elle n'a pas de pierre de sel. Et bah Ify, elle a une pierre de sel et un porte-pierre de sel. Mais ce sera réglé dans l'hiver de toute façon, là c'est juste pour une nuit. Parce qu'il annonce une tempête, voilà. Voilà, on se retrouve là-haut. Éteignage de lumière et fermeture des portes. Tu me dis quand je peux éteindre. Je vais me loquer. Vas-y. Voilà, là je mets ça là. Bon, c'est bon. J'éteins. Tu sors avec nous, puce ou quoi? Tu fais quoi, Brouche? De toute façon, il y a une chatière là, donc. Laissez-moi tranquille dormir. Mais t'es chiante! Elle nous suit! Oui, je la tiens. Oh, il y a un escargot qui s'est coincé dedans. Oh, j'espère qu'il est pas mort. Oh putain, je pense qu'il est mort. Il s'est complètement coincé dedans, le pauvre. C'est possible. Ben, j'en sais rien, mais il est coincé. Faut qu'on l'enlève. Hein. Ah bah voilà. Il faut que j'aille le remettre dehors. Pour les vaches, je vois que les pierres de sel sont prêtes. Hein. Ouais. Tout est prêt pour les vaches. Marcel, Jeanne, Prude, Estelle. Alors Estelle, c'est la maman de Prude. Ouais. Et elle sera à côté d'elle. Ouais. Mais elle se dérange avec toi. Elle s'aime pas? Bah en fait, Estelle, elle la vit toujours. Parce qu'elle en fait toujours en sorte qu'il y en ait une qui vit. Oui. Une autre d'à côté. Sauf que pourtant, vu qu'elle répond, c'est une garce, mal se battre. C'est-à-dire qu'on va être violent, c'est des petits coups. Ouais. Philippine, Émilie, Justine, Irène, Claude, bah c'est le taureau. Sandrine, c'est la grand-mère de Prudence. Et Aventure. Si on va vous bricoler. Maintenant, faut que j'attache la vache. Le box d'infortune. Thank you.
caché les sacoches de l'Indien quand je le montais dans l'écurie. Tu montais Indien dans l'écurie. Mais oui. Mais, y a... mais je. Ah oui, mais c'était il y a super longtemps. Et... mais. J'ai peur. Il y a des feuilles qui rentrent, on se fait agresser. Quand on va faire ranger tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'après, il va falloir les enlever. Ah oui. Ah oui, là c'est sûr que là. Voilà. Voilà. Donc on va pas être trop mal là. On a terminé pour aujourd'hui. Enfin non, pas du tout. Je raconte mal. Non, on a terminé pour là maintenant. Du coup, bah, il est bleu comme vous avez vu. Ils peuvent aller dehors. Bon, pour l'instant, il y a le tracteur et la benne dedans. Mais ce soir, on fermera, quoi, les barrières. Du coup, ils pourront aller dehors. Ils ont du foin. Normalement, ça, ça cassera pas. Donc, ça a l'air de bien tenir. Ça, normalement, c'est pareil, ils passeront pas. De toute façon, au cas où on fermera toutes les portes, quoi, ils aillent bouffer tout le front et les chier partout. Et ben voilà. De toute façon, c'est juste pour cette nuit ou demain. Cette nuit, demain, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et ben, du coup, on va fermer là, puis c'est bon. Puis si jamais il fait vraiment trop mauvais, on peut fermer la porte là et comme ça, ils peuvent pas aller dehors. On a enfermé le chat dans le box. Elle nous suit partout. Animaux, nous allons les redescendre, donc on va pas les rentrer au box tout de suite parce que bah il fait encore beau, ce serait débile de les rentrer là maintenant. Du coup, on va les mettre près de la maison, comme ça si il commence à pleuvoir ce soir et bah c'est beaucoup moins compliqué à les rentrer. Voilà, ça où il fait du gros pleuvoir, il y avait des magnifiques fenêtres. Oh, mais j'aime trop les trucs. Non, je vais pas, je vais y aller en hiver. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Je change de parc pour être tout près de la maison pour pouvoir rentrer ce soir. Voilà. Allez, ma doudouille. Allez, ma Lily, on va dans le pré. On va près de la maison. Oh, qu'est-ce qui te prend? Alors? T'as eu peur? Bah oui, il y a du vent, hein. C'est pas cool. Hein. D'accord. Pinoc, il faut que t'avances, mon gros. Pinoc. On attend que Pinoc y passe. Non, 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 tu attends. Non, Pinoc. Oh. Ouais, c'est bon, il a pas pris le fil en même temps. Nous, on passe bien ici. Voilà. C'était rapide, hein? Tenez, madame. Oh, elle pète. Elle me pète dessus, quoi. Fermeture. Voilà. Je suis pas du tout en galère. Ah, on est où? En fait, on pensait qu'ils étaient loin.
Sauf que la maison, juste là. Elle est juste là. Donc si on descend le pré, eh ben on y est direct. C'est ce que nous allons faire. Exactement. Voilà, vous êtes pas trop mal ici. Ouais, c'est bien. Si jamais il pleut, déjà ils auront un abri. Vous êtes traumatisés, ma famille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Gros cucu. Vous êtes trop belle dans votre sapin, madame. Lily, elle sait pas pourquoi, mais elle suit les ânes. Mais elle sait pas pourquoi, mais elle les suit. Ah, allez-y, madame. D'accord. Elle sait pas pourquoi elle descend. C'est ça. Ah, Pinoc. Oh, doucement, Lily. Oh, mon Dieu. Non, mais... Ici, elle continue. Ça va, c'est bon, on n'a pas peur du jambes. N'importe quoi. Je m'étonne qu'elles sont mortes, si j'ai après. C'est clair. Hein? Non, mais en fait, le vent, ça les énerve, hein. Vraiment. Hein. Doucement, il y a le fil là. Hein. Ouais, c'est bien ça quoi là. Hein. La naine là. La naine. Oh. Bon, à leur vitesse, hein, mais. Vous avez vu, ils vont pas tout droit, eux. Non, ils font des zigzags. Ils remontent. Mais qu'est-ce qu'il fait, Indien? Bah, il est content. Hein. Pinoc, il a pas. Non, Pinoc, il est trop prudent pour faire ça. Oh, Pinoc, le cinéma! Avec sa tête en bas là! Oui, ma Lily! J'aime bien le voir comme ça. Pinoc, ouais. Ouais, c'est clair. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Où est-ce qu'elle va y aller, non? Je sais pas. Pinoc. Pinoc, il suit, mais au pas. Et je vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, bisous.